petite, mais je crois qu'il se sert de son boost. Continue comme ça. Bientôt la course. Tu es ici. Va aller jusqu'à Wildcats Baseball Stadium. Hey, les Paradise! Bienvenue sur la chaîne de Crash FM Paradise FR de DJ Diabolica. Et cette fois, deux épreuves de course, deux épreuves de burning et deux épreuves de showtime! Haha! Donc voilà, c'est facile. Et maintenant, dans l'épisode 4, des titres intitulés par des musiques électroniques, de la dance et d'électro. Et puis cette fois, va pour Bernie. C'est parti. Alors comme ça tu dis, hop hop hop. Alors comme ça tu dis, genre t'aimes le crash, mais en fait voilà, c'est marqué Crash FM par Dazifier. Parce que bah j'aime bien honnêtement casser les voitures, les véhicules et tout. Et puis tu as droit à une super Nakamura Ikusa Samurai après avoir réussi ce parcours burning. Passe la prendre à la casse. Cette fois, showtime, yeah, crack, what, voilà. Récolter quelques dollars de plus. À l'époque encore, où j'avais pas fait du showtime. Et passe. C'est le grand jour pour foutre le bazar dans Paradise City. Et ben voilà, je dis ça vaut le coup de faire du showtime. Et puis voilà, pour être riche en dollars. Ah, 40 voitures détruites.
Ça c'est la cata, c'est l'apocalypse. Oh, oh non, non, non. Qu'est-ce qu'on se fout du règlement, hein? Ah, c'est dingue. What? Ça va marcher ou pas? Peut-être pas. Non, c'est pas ça. J'ai peut-être pas assez. Mais au cas où, si je recommencerai. Pour qu'il y ait des bus et tout. Bah vas-y. Vas-y quoi. Tiens voilà les bus. Allez prenez-vous. Dans votre face. Tout ceci n'est qu'une question. N'est qu'une question de conséquences. Désastreuses. Et bah c'est l'apocalypse. C'est une opération qui est apocalypse. Ah, big punk, punk. Oh, ça déchire. Oh, ça casse vachement. Oh. Dommage pour toi. Si réellement tu voulais pas que je te défonce, tu dégarres n'importe comment quoi. Tout le monde se garde n'importe comment. Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, épreuve de course. Épreuve de course. Prépare-toi. Tu es ici. Va à l'ouest jusqu'à White Mountain Wine Farm. Il va faire nuit. Oh, non, non, non. Ouais, toi dégage. Allez, dégage. Merci, au revoir. Hop. Voilà. Tout de suite. Oh. Ça c'est joli.
c'est ce que ça fait quand on cause toujours des problèmes. C'est certainement ça. Le vrai sens de la vie. Ah ben, lors de la dernière version de Burnout Paradise, Zoe du Madbox, dans l'épisode 4, c'est vraiment... Oh là là. Ah, c'était trash, hein. Vraiment, c'était trash. Je ne sais pas du tout où je vais aller. J'avoue que je suis un peu perdu dans le noir. On va faire donc un grand saut et voilà pour gagner un peu plus de temps que prévu. Voilà. C'est pas mal. La Watson Air Turbo Roadster roule maintenant dans les rues de Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Allez. On va aller au casse cette fois. Si je peux l'arrêter avant. Ouais. Vas-y, dépasse. Voilà. Le bruit positif. Qu'est-ce que ça a changé? Et est-ce que genre on peut prendre... La Hunter. On peut y aller, donc... Allez, on va prendre le type... on va prendre le hunter, le split. Et puis on va tout de suite faire une épreuve de burning. Cette nuit était courte quand même, hein. Cette nuit a été courte quand même, hein. Je trouve, hein. Ah, on va l'arrêter vite fait. Pousse-toi. J'ai besoin de l'arrêter. Voilà. La Watson Air Turbo Roadster est disponible à la
Et voilà. Comme ça, l'affaire est réglée. Ah. Du smash, encore du smash. Et du bon smash. Et l'épreuve est juste par là. L'épreuve de Burning, je veux dire. Je trouve que la nuit est un peu courte, hein. Était un petit peu trop courte des fois. Normalement, on doit y avoir une règle là. Allez, c'est parti. Ensuite, bah rien, je crois qu'on a tous fait. Voilà. Tournez à droite. Ruiné, non mais qu'est-ce que c'est que ce flibustier volant qui m'a déglingué. Et voilà, nouvelle caisse cette fois-ci. Yes! Merci beaucoup. Et puis, bah écoutez, chers les Paradise, c'est ainsi que la quatrième épisode de Perdant Paradise Remaster vous aura plu. Et puis, on se retrouvera donc dans une prochaine épisode qui sera donc deux épreuves de séquence cascade, deux épreuves de Burning et deux épreuves de bon. Avec les titres intitulés du post-rock. Et du math. Et puis on se retrouvera donc dans une prochaine épisode. Et c'était Didier Diabolica sur Crash FM.